by the side. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold side. I got faith in you, baby. I got faith. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai pas beaucoup de kilomètres à faire aujourd'hui, donc ça fait du bien. Donc je m'arrête toutes les 5-10 minutes, quelque chose comme ça. C'est vraiment joli comme boucle. La boucle de Hajiang. Du coup, je recommande. Rien que pour ceux qui, même pour ceux qui n'ont pas trop le temps et qui visitent Vietnam un peu à l'arrache, je pense que ça vaut le coup quand même de prendre 3 jours pour faire cette boucle. 90 bornes à faire, quoi, ça fait 2 heures, un truc comme ça, là, dans le temps. Et demain, normalement, direction Babe Lake. Faut quand que je regarde un peu l'itinéraire ce soir. Normalement ça devrait être bon. J'ai trop mangé. Beaucoup trop mangé ce midi. J'ai plus l'habitude de faire 3 repas par jour. Il y a un arbre en plein milieu du truc. Que je sais pas comment il a réussi à se démerder pour pousser là. Il est juste là comme ça, paf, en plein milieu. Il est plutôt balèze en plus. Voilà, c'est la défaite des fois un peu. Hein. Veut plus démarrer. La moto veut plus démarrer du tout. Et il me reste moins de 4 km à faire. Je suis deg. Je suis deg. Donc j'essaye. Démarrage manuel là, mais bon, le machin en fait avec ce merdier là, quand tu pars comme ça, après il m'est revenu déjà 4 fois dans la cuisse comme ça, donc j'ai un peu douillé. Je suis fatigué là, j'ai mal au cul. Je vais y arriver, mais c'est relou quoi. Faut que je la pousse, que je la lance en descente, après j'essaie de démarrer et tout. Enfin, là. C'est surtout chiant quand ça arrive à 3 km comme ça. Ouais, paraît si bon. Bon, je suis bien arrivé et je suis parti parce que je pensais que c'était un problème de bougie et en fait c'était juste que j'avais plus d'essence. Je suis tombé en rade 3 km avant d'arriver, c'est pour ça qu'elle en sait plus. Pauvre Chico, je l'ai foutu à sec. Non mais n'importe quoi quoi. Donc le mec, je lui ai fait changer la bougie, puis en fait il ouvre, il regarde, il fait bah, y a plus d'essence dans ton truc, alors que tu sais, moi je bouge un peu la moto, puis je dis bah si, j'en vois quand même dans le fond. Ouais. Non, je pense que c'était le fond du fond, il n'y avait plus rien. C'est bon, j'ai remis de l'essence. Bon, j'ai une bougie neuve, hein. Voilà, petit cadeau pour lui. Mais voilà, j'ai remis de l'essence et puis ça fonctionnait bien après, quoi. Pff, c'est dur. Donc quoi ouais.